Bienvenue au 29e sonate d'automne de Beaulieu-les-Loches et Loches. Ville absolument magnifique à découvrir, à redécouvrir. Ville de patrimoine, ville d'histoire, que nous allons essayer de faire vivre en musique avec, à Beaulieu-les-Loches, un premier week-end consacré aux jeunes talents avec le trio Zélia et Gabriel Pidou au hautbois dans des œuvres italiennes de Ponchielli. Et aussi Anne Kefelec et Olivier Charlier qui vont pouvoir présenter leur programme Mozart et Debussy. Beaucoup d'émotions à écouter cet ensemble dans cette église qui est toujours aussi belle et aussi simple à Beaulieu-les-Loches. C'est trop bien. Non, je sais pas, merci beaucoup. Merci au festival et merci au public d'être venus si nombreux. Monsieur Perrault l'a dit, avec ruse et malice, poussé à protéger, sauver ses frères condamnés au féroce appétit de l'ombre, leur ennemi. Eh bien, les enfants ont réalisé une maquette avec les bottes de sept lieux, ce qui nous a permis aussi également de travailler en mathématiques sur les mesures, d'écouter la bande-son du spectacle, de travailler le petit poussé en amont et le conte. Tout un travail transversal qui est très important dans les écoles maintenant. J'ai beaucoup de plaisir à retrouver Loches à cette occasion, avec mes amis musiciens et d'autres que je ne connais pas et que je découvre à chaque fois. Pour ce deuxième week-end des sonates d'automne à Loches, nous sommes très heureux d'entendre une multitude de talents. Ce soir, un panel d'artistes autour d'une œuvre emblématique, l'introduction Allegro de Ravel, avec la harpe au milieu, la flûte, la clarinette et le quatuor à cordes. Et nous avons invité aussi Héloïse Bellacone, une pianiste, pour jouer en résonance, en quelque sorte, des pièces de Debussy pour piano solo. Alors ces artistes, ces talents vont se réunir aussi en petits groupes pour jouer à la fois des œuvres de Bartok, à la fois une pièce d'une fantaisie italienne, puisque c'est aussi un peu le thème de cette année, pour faire un programme très très varié, complet, et où ils vont tous se retrouver pour une surprise, un bis magnifique que nous venons d'entendre et qui est un arrangement de harpiste Sylvain Blassel. Dans l'optimisme et d'une fraîcheur extraordinaire. Des bons musiciens, de la belle musique, voilà, on se régale, comme d'habitude. Incroyable, vraiment, c'est un super festival, un très beau public, très chaleureux. C'est un très grand plaisir d'y participer, merci beaucoup. Je suis très content d'être là, c'est un moment très, très joyeux et très convivial. Voilà, d'être près du public comme ça, dans cette salle, près des gens, pouvoir leur parler, s'adresser à eux, quelque chose d'intime qui me plaît bien. Comme tout festival, Loches a la chance d'avoir une équipe très soudée de bénévoles qui prennent de leur temps. Et Dieu sait que ça représente beaucoup de travail, pas seulement au moment du festival, mais en amont. Et un grand merci à eux pour leur mobilisation sans faille, leur gentillesse et aussi leur passion très communicative. Merci de nous avoir fait confiance et d'être venus encore plus nombreux pour cette 29e édition. L'année prochaine, la 30e édition, nous espérons qu'à Beaulieu-les-Loches et à Loches, les salles seront pleines
et nous allons vous concocter un programme tout à fait original. Alors à bientôt.